Right. Operations, right? That's right. Jan is with us from Montreal with KW Connection. Mais l'objectif de ce panel-là, c'est de discuter sur le plan opérationnel. Oui. Quel changement que tu as fait avec ta business? Quelle façon que tu as contrôlé ou changé ton budget ou changé tes dépenses, éliminé certaines choses pour protéger la business puis aussi la fonctionner avec plus d'efficacité, mettons. Depuis que, surtout nous autres au Québec, les choses sont différentes en plus parce qu'il n'y a aucune vraiment opportunité ou les opportunités sont très limitées. Comment tu as approché ça, ce sujet-là? En fait, bon, alors bonjour à tous. Quand j'ai rejoint KW en 2017, je venais de sortir d'une quasi-faillite. Donc avec toutes les craintes, toutes les peurs que ça peut engendrer. Et ma précédente quasi-faillite avait été causée par un volume de charges fixes bien trop élevé. À l'époque, en lisant le livre rouge, que depuis j'ai lu plein de fois, ainsi que Shift, il y a un élément dans Shift qui m'a marqué et qui a fait toute la fondation de mon entreprise, c'est de tout mettre en charge variable en autant que possible. Donc en fait, pour répondre à la question, c'est que finalement j'ai eu assez peu de changements à faire pendant le shift qu'on connaît, la situation en tout cas, parce que toutes les dépenses sont quasiment arrêtées d'elles-mêmes, quasiment en automatique, hein, parce que c'est une obsession pour moi depuis 4 ans d'aller chercher de l'assistance plutôt que des assistants. Okay. Et aussi dans Shift, hein, je ne fais que le, j'étais tellement intégré que ça fait partie de ma vie. Tout s'est quasiment arrêté de soi-même. Ok. Comment vos flux de travail ont-ils changé pour s'adapter à un travail à domicile et dans le monde virtuel? En fait, tout de suite, dès le jour 1 du confinement, j'ai pris la décision de rien changer sur le rythme. Donc, de me lever, de me laver, de m'habiller, dress for business, et d'aller dans mon bureau et de tenir ma nouvelle cédule. Parce que j'ai quand même dû mettre une nouvelle cédule en place, parce que mon épouse est à la maison aussi en télétravail. Et on a les enfants à la maison. Il y a Eléa, vous avez vu. J'ai mon petit Elliot aussi qui a 5 ans. C'est difficile de les laisser tous les deux ensemble tout le temps. Donc, on doit se partager le temps. Donc, ça a été le défi. C'était, on a moins de temps chacun pour faire les choses. En tout cas, pour parler pour moi, j'avais moins de temps. Donc, tous les matins, la première chose que je me demande, c'est quoi le one thing de la journée et que je ne peux pas... faut pas que je fasse autre chose. Juste ça. C'est quoi le plus important? Il faut que ce soit fait là maintenant parce qu'au lieu d'avoir peut-être 8 heures pour faire des choses, j'ai peut-être 3 heures ou 4 heures pour faire. Donc, c'est cet exercice mental, c'est pas le matin, je le détermine la veille. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui impérativement? Et comme je dois en faire moins, je fais l'essentiel. Est-ce que tu penses que ça va te forcer à garder, quand on va sortir de l'environnement dans lequel on est en ce moment et que les choses vont redevenir relativement normales, est-ce que tu penses que ces habitudes-là vont demeurer avec toi et ça va être comme une nouvelle façon pour toi de conduire l'opération de ta business? Déjà pour moi, au-delà de l'opération de la business, c'est dans la tête. Parce qu'en ayant finalement, en croyant avoir tout notre temps parce qu'on était à la maison, je me suis vraiment rendu compte, ça m'aura pris 44 ans, qu'on n'a pas tout le temps. On a du temps là, pour réfléchir. Et c'est pareil dans notre vie de tous les jours, dans une situation normale. Donc en fait, j'ai changé ma façon de réfléchir, de penser à tout ça. Good. Very cool. Remarque. Jan, avez-vous ajouté une responsabilité supplémentaire
pour vous assurer que l'équipe a réduit son objectif? Réduit? Narrowed the focus. Pointer leur objectif. Mm. OK. En fait, je vais vous répondre en deux temps à votre question. Quand au jour 1 du confinement, je me suis demandé c'est quoi justement le one thing que je dois avoir, d'une part pour mon équipe et de faire continuer à grossir ma base de contacts, dont une part importante vient des agents francophones et notamment en France. Et en fait, j'ai focusé sur une chose, c'est la traduction de one thing et de délivrer les webinaires que je donne tous les vendredis pour la France. Et puis, on l'a ouvert large pour tous ceux qui le veulent en français. Et donc ça, c'était mon one thing parce que l'essentiel de ma business vient de la France. Donc, je continue à faire grossir ma base de données d'agents et puis de cimenter des relations. Et la deuxième chose, parce que juste avant le confinement, enfin début février, on était deux dans l'équipe. Il y avait mon buyer agent et puis moi. Et il y en a trois qui ont commencé juste une semaine ou deux avant le confinement. Donc, la deuxième chose, toujours sur mon one thing, comment je fais pour former mes nouveaux collaborateurs? Donc, en fait, je me suis focusé sur une chose, c'est que tous les vendredis, il me faut absolument que le live soit top et je leur demande rien d'autre, juste participer à ça. Et tout l'aspect lead gen, de rappeler les gens, etc., qu'ils avaient aussi dans leur cours, je l'ai ramené dans ma cour. Parce que c'est aussi dans Shift, c'est fais-en plus et prends-en la responsabilité, fais-le toi-même pour mesurer les objections, les nouvelles objections, mesurer les nouveaux metrics, tout mesurer. Donc en fait, ce que tout le monde aime le moins, ben, je prends tout pour moi. Sur le training, la formation, ça c'est vraiment les choses, la chose sur laquelle je me suis concentré pour passer au travers de ça, pour être plus fort, qu'on soit tous plus forts à la sortie. Et il y a une autre chose, mais eux ne sont pas forcément inclus là-dedans, mais l'idée c'est qu'est-ce que je dois faire, que je n'ai jamais le temps de faire, pour mettre de l'huile dans mes rouages, dans l'équipe. Vous savez, le passage de relais, parce que moi je travaille sur un dossier, j'ai l'admin qui travaille sur un dossier, etc. Et on avait toujours la difficulté de ce passage de relais. Et en fait, j'ai identifié une chose la semaine dernière, à force de discuter avec l'équipe, c'est qu'en fait, on a tellement d'outils partout, de commandes, les signatures électroniques, plein d'affaires. Et je fais ça la nuit, parce que mes enfants, ils dorment. J'ai créé un intranet pour l'équipe, avec l'ensemble des outils et je vais développer ça cette nuit, la nuit prochaine, l'espace formation. Est-ce que tu as éliminé certains outils? T'en utilises-tu moins que t'en avais avant à cause des circonstances dans lesquelles on est? Non. Les outils que j'utilise, il y en a deux, je dirais, plus que j'ai rajouté. Okay. Trello pour tout l'aspect collaboratif, ouais. Et puis d'éviter des SMS inutiles pour moins de communication à plein d'endroits. Ouais. Mais de recentraliser, en fait. C'était le point. Et par rapport à ma base de données, mes contacts, hein, c'est l'utilisation de Twilio avec les SMS. Il y a toujours les mêmes nombres de campagnes mail, mais pour avoir une interaction plus immédiate et puis que ça change un petit peu, que ça soit plus comme humain. Donc, même si c'est du SMS, global, au moins j'ai les réponses tout de suite et ouais. Ça me permet d'engager les conversations. Donc, voilà. Okay. C'est fantastique. I know some people are talking about using Google Translate. We're trusting that Catherine Labelle was able to catch that, and we'll post Dion's nuggets because he's definitely touched on some great points there. I'm going to translate a couple of things while she's typing real quick. So some of the things he's focusing on training, the one thing, as using the one thing as a resource, using the Shift book as a resource, and kind of familiarizing or refamiliarizing himself with the content of both of those resources that we have. And then a lot of his business comes from France and is internationally based. So
he offers as a value add to all his people training through the one thing every Friday afternoon and translating it in French to help and be in front of his people as much as he can, and which helps him enhance his database that way and grow his business over time. So, Catherine, I hope I did. En ce qui me concerne, c'est, je vais continuer d'appuyer sur le fait de contribuer, de partager avec les autres ce que d'autres ont pris le temps de m'apprendre au travers des formations en ligne, l'outil de Zoom. Mais ça n'est que l'outil. L'intention, c'est de partager, d'aider le plus de personnes possible, en tout cas en ce qui me concerne, pour les agents francophones, parce qu'en anglais, c'est pas possible pour moi. Mais vraiment, cet élément-là, ce one thing que j'ai identifié dans la première semaine, vraiment, je vois l'impact positif que j'ai auprès des gens. Et ça me fait du bien, ça leur fait du bien. Et c'est bon de se sentir utile. Good. That's awesome. Good. Merci. Merci beaucoup. Thank you, everyone, for being on the panel today. Some great insights, some great nuggets. I'm glad this call is recorded. We're going to be able to share it with people that have been in attendance. Anything else, David, for this talented group? No, thank you. You guys are awesome, and I appreciate your time, and I appreciate your wisdom, and I congratulate you on your leadership and how you choose to move forward through these challenging times. So great job and proud to be in business with you. Thank you. Thank you, everyone. Guys. Merci pour l'invitation. Bye. Just one.